Gros nouvelle, mon ami yo, bienvenue. C'est sous TAC 509 ou connecté n'importe côté où yé. Depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travailler là, capable avancer. Zami Pao Foucault. L'armée dominicaine monte sous territoire haïtien. Yo bat yon paquet de travail. Bagay sa paraît l'aide pour c'est comme ça Dominique yo choisi vin bat nous la caille nous pour propre affaire nous encore et en pile moun rete attendre qui réponse président Jovenel Moïse pral bay ak Dominique yo. Eh bien faut me dire nous gouvernement haïtien gen yon gros projet kap fait pour entrer de l'eau pour paysan yo capable joindre pour faire jardin pour capable gen manger dans pays ya. Eh bien soldat dominicain yo débarqué ak yon paquet Polaris sous territoire haïtien yo pour dire non ak projet ça li pap capable fait parce que s'il fait nan bon dominicain pap gen de l'eau fòm di nou travail ça li même a fait sous rivière Massac. Rivière ça qui sépare Haïti entre République dominicaine depuis plusieurs années. Eh bien c'est Dominique yo kap utilise le cause gouvernement haïtien qui passe yo pa jan pran décision pour konnen ki sa yo doit faire pour rivière sa capable séparer et pour yo capable exploiter le tout. Au contraire, moun ki rete nan zone sa toujours ap victime, les rivières descend, se bête jardin tout ti sa yo possède li pote ale. Donc, président Jovenel Moïse qui se yon Negmon décide exploiter rivière sa, gen gwo kokin chen travail kap fait nan zone si la. Kounya la, question kap pose c'est est-ce que rivière ça c'est pour République dominicaine seulement lié? Quelle décision eh bien gouvernement haïtien t'a supposé prendre pour bailler réponse à ça qui passait? Qui genre séparation ça lui-même l'état supposé fait? Qui réponse la même pays d'Haïti a à bailler ensemble avec soldats dominicains? Est-ce que on te connaît tout? C'est pas journée jodi a haïtien ap victime sous rivière ça qui relait rivière massacre. De toute façon, rale ti chaise ba ou chita confortablement. Fouko zami e faut pas ou pral vide tripotay sa yo ba ou nan bon ti mamite. Bonjour, bonsoir tout moun, kouman nou ye? Encore une autre fois, m'a dit merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer et merci pour fidélité ou ak patience. Merci parce qu'on like. Merci parce que vous abonnez et merci parce que vous partagez la vidéo, ça fait nous plaisir en pile en pile. Encore une fois, si vous faites tomber sur la chaîne là, pas hésiter à activer la cloche de notification par là pour pas rater aucune vidéo. C'est Zami Pao Foucault. Nous avons une chance de présenter un petit compte. Compte ça qui c'était de l'eau de San Mon. Réponse c'est Cocoyer. Mesdames, mademoiselles et messieurs, mes nouveaux comptes ou gagnés. Timoun Fonte, longe douette, bye bonji. Pas hésiter à quitter réponse par là dans le commentaire là, ça fait nous plaisir. En pile en pile. Boule chargée, pas camper rapidement, n'a vide jacout nous pour nous bao tout tripotay et pour nous continuer à bousquer sans force côté pour capable toujours être informé. C'est pour raison ça, toujours abonner, like et puis partager. Ça aussi important. Yon équipe soldat dominicain débarqué sous territoire haïtien, bat you. Question en pile moun a posé, c'est qui ça? Ministre Affaires étrangères a dit, nan cas ça. Par rapport à l'action, ça, soldats dominicains yo posé sous territoire haïtien. Eh bien, qui s'est passé? Nous connaissons Wanamint ak Dahabong entre yon et ses frontières pays d'Haïti ensemble avec République dominicaine. Donc, gayon rivière qui passait entre yon qui c'est rivière massacre. Qui sa soldat dominicain yo te vin fait? Eh bien, soldats dominicains yo entré à gros âmes fan foi ak divers polaris dans zone qui rele l'abbaye. Yo vin di, yo pas d'accord avec canal irrigation gouvernement haïtien a construit pour capable arroser yon plaine qui rele plaine Zamaïba. De quoi? Pour paysan dans zone nan capable gen accès à l'eau pour yo capable rouser jardin yo. Eh bien, soldats dominicains yo di une fois yo quitté gouvernement haïtien exploité de l'eau rivière massacre là, eh bien yo même agriculteur dominicain yo pa gen assez de l'eau pour yo rouser jardin yo. C'est pour ça yo vinn pour imposer travail ça l'état haïtien a fait. L'aime questionner moun ki nan zone nan, yo déclaré c'est parce que pa gen représentant l'armée d'Haïti ak la police qui la cause. L'armée dominicaine débarqué sous territoire haïtien sans mande permission et fait ça yo vle. Malheureusement, police frontalier yo même yo plus ap siveye kèze nan douane Wanamint lan, au lieu yo siveye intérêt pays ya.
Donc, paysan yon lage, debra balance sous compte laisse yon fait. Donc, c'est yon même qui vina dégager yon pour compte yon. Ingénieur étranger yon qui te vini kap étudier comment yon pral fait qui rage là, oblige camper. Donc, paysan yon même intelligent que yon yon, yon oblige ramasser tout matériel serré parce que yon estime c'est un pi gros cadeau gouvernement a fait pour yon. Fok m di nou tout, canal sa ki ap fèt sou pont rivière massacre la, pou moun ki konnen wana met bien, eh bien, chaque les rivières sa descend, mesdames, mademoiselles et messieurs, adje, chaque les rivières sa descend, eh bien, se pote ale, jardin, bête, tout petit bagay yote genye net. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, ma fok konnen, sa fait deuxième fois, eh bien, soldat dominique yo même pou lop sou ti bout te pays d'Haïti. Donc, journée jodi a même, gen yon réunion au niveau qui pral organiser ak ministre étranger haïtien qui pral sel médiateur pour capable stopper action ça pour pita capitrice. Parce que ça qui t'est passé dans année avant yo, pas vin reproduire encore entre Haïti ensemble avec République Dominicaine. Lesa, c'était dictateur Trouillot, c'était Stenio Vincent qui était président pays d'Haïti. À l'époque, c'était Sir Clinton Delano Roosevelt qui était président des États-Unis d'Amérique. M'pral informer ou t'aller comme ça sous dossier ça. Faut que nous songeons ça qui t'est passé sous rivière massacre. Donc, faut que nous songeons tout dernièrement là, Luis Abinadel, président République Dominicaine, a déclaré en Espagne Haïti sous route vers la somalisation. Et qu'on y a yo empêché nous faire travail sous territoire nous et travail ça yo c'est gros travail qui t'apprend porter fruit dans jour cap vini yo là parce que immédiatement gain de l'eau pays sont pas obligé de tendre la pluie tomber pour le faire jarder donc depuis le gain de l'eau temps en temps le pral rouser donc mesdames mademoiselles et messieurs t'ap gain manger cap entrer dans pays ya. Donc les ça tout pile citron n'ap pral acheter la caillou wa yo pas yo t'ap perdre comme ça nous pas t'ap pral faire encore donc dans sens ça si l'état pas nous vienne créer moyen pour gain manger la caillou nous donc li pas bon pour yo parce que yo même yo pas vendre quantité Johnny yo te qu'on a vendre. Donc on continue. Kounya mesdames mademoiselles et messieurs, bon me rappeler où ça qui t'est passé sous pont massacre en pays d'Haïti ensemble avec République Dominicaine. Dans l'histoire, gen un moment doule a été terrible dans corps pays d'Haïti et l'école journée jodi a malheureusement pas presque parlé de ça. En octobre 1937, c'est massacre qui pi sanglant qui t'est fait sous l'île là. L'histoire dominicaine connaît moment historique ça sous nom massacre du Persil. Pour un pile moun, yo considéré le tant qu'ou yon vengeance pour dominicain parce que Haïti était occupé yo pendant 22 ans. Histoire ça c'est une mauvaise histoire cause yo mal raconté ak habitants tout de pays yo. Tout yon li même te campé li dit, la massacre haïtien yo pour que dominicain yo capable jouir en paix fui travail yo. Mes amis, la nèg de méchant papa. Donc, massacre dominicain fait sous Haïti yo te fait dès octobre 1937. Massacre ça te organisé par République Dominicaine sous frontière et plus passé 12166 Haïtiens mouri. Ça c'est chiffre tous des pays yo te sorti officiellement. Mais selon témoin okile, yo, ça veut dire moun qui était là qui t'a assisté, moun qui était aux alentours, c'est un total de 35 000 Haïtiens qui étaient morts. Yo même rapporté dans des premiers jours avant massacre là, dictateur Rafael Trujillo était déplacé vini d'Abong, bayon discours qui faux sous Haïtiens, yo raconté yon paquet Johnny, bayon paquet menti sous Haïtiens yo. Cause yo pas fini là. Eh bien, sorti dès pour arriver 8 octobre 1937, Haïtien yon mouri pas fizi, pas manchette, gon pièce qui relè goudin, avec couteau pas troupe dominicain yo. Et organisé massacre ça avec tout moun, civil, soldat, pour que yon assire yon, pas qu'il y a aucun Haïtien qui était vivant, donc, nan massacre ça. Malgré toute tentative qui fait pour blâmer criminel dominicain yo, Amérique yo déclaré bal physique Craig Jorgensen yo, yo joine yo nan poche cadavre haïtien yo. Kont nèg sa ou te gen zam ou pa konnen. C'est pas journée jodi a n'a victime en bas main yo. Donc, après massacre ça, yo man haïtien mouri par la faim, foi avec paludisme parce que immédiatement yo fin touye tout moun sa yo vin gon peur par rapport avec les restes haïtiens qui pa mouri yo. Donc, yo vin grand goût, yo nan marron,
et gon maladie qui te rele paludisme lui-même qui touye yon paquet là dedans yo. Et ceci mesdames, mademoiselles et messieurs, ça ou doué koné, haïtien ça yo yo te massacré l'autre bois, yo pas fait sous tes pays d'Haïti, yo te fait en République Dominicaine. Et ceci au lié et bien dictateur trou yo lui-même te choisi ba au papier parce que si on fait sous sol paola, m'pa raison pour ap di yo, yo c'est haïtien ou pou si ou pousser retourner OK faire retourner la caillou mais pour massacrer comme ça ça veut dire yo pas ni pouce c'est comme si son équipe chien ou te kembe et pour touyer et puis tout est fini. Donc nous capable comprendre depuis qu'il est bien ying hang ça lui-même li commencé. Donc mesdames, mademoiselles et messieurs, et jusqu'à présent bagay ça toujours à répéter. Imaginons pour un monde qui te paye, il passe 20 ans dans pays où il travaille, il fait petite l'autre bois, toute salgue c'est dans pays où l'allié, après ça même papier, même acte de naissance ou pas d'accord signer bali ou dit non le pas dominicain, voyez le tourner pas de problème pour que si le dominicain voyez le tourner, mais toute sale te fait dans pays où là au moins faut ta dédommager. Donc nous capable comprendre irresponsabilité l'état haïtien, c'est pas rien qui sérieux, quitte opposition, quitte ses pouvoirs, quitte passé jusqu'à journée jodia, c'est pas rien yo réglé pour que haïtien qui lève cal vive dans pays à l'étranger yo au moins yo capable gon droit, au moins si gon mal qui rive yo, yo capable gon côté pour yo courir pour yo al porter plainte pour que yo te capable prendre yo en charge. Malheureusement ça yo même yo pas jamais fait, c'est toujours les bouk fin courir passer les ça messieurs dames ça yo après les fermer barrières parce que plus quoi dans 15 yo plus quoi nan ba salami ke yo protéger ça qui nan intérêt pays a même j'avec police poli fon yo malgré yo mette yo sous frontière pour surveiller frontière et bien même yo plus confisquer ko yo plus al cacher ko nan la douane ap veye kaze kap entrer pour yo faire contrebande au lieu yo rete sécuriser et bien frontière pays d'Haïti ensemble avec République Dominicaine parce que si yo te là et bien soldats dominicains pas ta ka entrer wana met comme ça pour venir faire des respectants ça camper travail bat moun font paquet l'audience bagay ça pas tap ka fait. Donc mesdames, mademoiselles et messieurs, n'a continuer informer et bien après massacre ça fin fait po diab famille haïtien yo compte cadavre et dominicain yo même après réjoui. Ha, président américain Sir Franklin Delano Roosevelt ak président haïtien monsieur Stenio Vincent mande yon indemnité qui élevé avec $750,000 américains. Ça qui fait $30 par victime. Est-ce qu'on t'en est des respectants? Et femme dit nous $525,000 américains pa jam bay. Ça qui signifie littéralement l'état haïtien recevoir yon total de 2 centimes par victime. Donc nous perdit net et République Dominicaine fin touye, li touye net. Mesdames, mademoiselles et messieurs, m'a rappelé m'gon lè nan zone qui rele ay comment zone ça rele. Yon zone qui rele monde des commissaires. Comprenez bien oui? Zone nan rele monde des commissaires, moins quoi ce côté fond verret séparé ensemble avec Tiot. Et puis ça qui passe en lè, gen yon dominicain qui vini qui vole un paquet de bagay pour paquet haïtien. Ça qui passe, eh bien, gen des haïtiens qui kembe dominicain ça, yo krasé zol jusqu'à ce qu'il al mouri la kayli. Eh bien, comme nous connaissons, comme une fonveret li même, capable de dire li gen frontière ensemble avec République Dominicaine. Ça qui passe, gon sergent qui sorti en République Dominicaine, qui vini ouè, colonel, le sa c'était sous l'armée d'Haïti, moun kap dirige nan zone ça. Ma koute, kounya la, mesdames, mademoiselles et messieurs, chef haïtien, al chercher des haïtiens qui te battent dominicains à cause de volé à faire yo. Yo fait yo fouiller trou. Et bien, dominicain et haïtien bay dominicain zamni, chef dominicain, fait touye. Après ça, il fin touye la gen dans toi. Li même li prend pelle, il fin boucher toi, al touye des haïtiens. Tandis que, dominicain te sorti la kaili, pe di, j'ai croisé, il vin volé à faire nous. Et bien, yo pas touye l'nou, yo bat li, yo voye la kaili. Et bien, chef la li même li déplace sot kote le sorti, vin en Haïti, pour di de respectant sa, pas ka fait, fok yo touye yo. Et bien, haïtien en tant que ti sousou, arrive faire un bagay comme ça. Malgré niveau chef yon haïtien gagné pas devant l'autre nation. Parce que franchement, m'a pas comprendre yon, yon pas qu'à défendre dossier pays, vrai. Parce que, nous songez déclaration de Saline, l'elle ta bataille pour indépendance, il dit, si on moun vle rete dans esclavage, quitte fort, pas rete là. Donc, jounen jodi ya, qui va les chefs kap kapab kampe kap d'un bagay comme ça? Qui va les gros autorités kap kapab di yon bagay comme ça parce que au chaque grain zan yo ka yo fev. Malgré autant de yo plein les États-Unis a supporté Jovenel, dis dat kote madame yo petite yo l'autre bois.
yo pas ka aller formal go tande yo fait ti manifestation tout petit mais immédiatement yo ta prend décision qui pisse sévère tande yo coupe visa intel oui et rap rap yo coupe visa yo youn après l'autre laisse ça ou obligé plier entre en bayon encore ou obligé soumettre avec parce que ou pas grand monde tout et ou tellement sous sous pas ka jam grand monde tête tout et y a toujours fait ça ou vlan ensemble avant mesdames mademoiselles et messieurs m'a regardé hier pour quantité haïtien que République Dominicaine rekembe encore et c'est pas journée jodi a yo tué au sous frontière d'Abong ça et bien journée jodi a yo choisi prend Polaris débarquer sous territoire haïtien vinn faire ça ou vle. Donc est-ce que l'état lui-même a style toujours été seulement dans l'ouest là a fait malversation fait politique sale tandis que tout respect il y a richesse a gaspillé peuple a nan misère yo nan grand goût et ceci l'autre nation lui-même a humilié nous plus donc en ce sens, si nous disons chef, on nous chef pour de bon. On n'est pas chef comme si nous juste mettons uniforme sous nous. Mais on chef dans maille nous, on kebe caractère nous pour que l'autre nation pas arrive à prendre avec nous, nous est à Paris. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, information fait tomber, mais remets-y parti ça. Avni pou la bloke, matin mercredi 28 avril la ak Neg Azam ki te kidnappé ancien commissaire police la Manuel Orival hier soir en dans la caille. Eh bien moun yo a protesté pour mande libération ancien commissaire sa que yo entre kidnappé la caille. Donc mesdames mademoiselles et messieurs côté cause yo difficile c'est que nous connaît eh bien Fondation J'éclairé ensemble avec la Cour des comptes critiqué ancien DGPNH là Michel-Ange Gédéon comme moun qui t'a fait chimé cochi avec un paquet d'argent les que le directeur général la police. Eh bien mesdames mademoiselles et messieurs avec en pile estime ancien DGA est déclaré quand tu mens pour salir quelqu'un c'est la vérité qui viendra te salir à ton tour. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Luc 23, verset 35. Mesdames, mademoiselles et messieurs, les Jésus te dit ça, lui-même, il était innocent. Li pat qu'on en yé. Li pat passé, li pat ap qu'on prend cop dans l'état. Au contraire, l'elle te débarqué Jérusalem, li te wè moun yo ap fè marché, li te krasé tout li di, li pa nou pa ka fèt tan papa mnan, tout nou savann pou n ap vann konsa la dan, sa pa ka fèt. Li te met tout machan de yo. Mais en Haïti, mesdames, mademoiselles et messieurs, cause yo en pile et déjà gen pile rumeur k ap kouri sou ancien DGA, en pile moun di yo pral parler, yo pral met cause de yo. Donc en ce sens, est-ce que ancien DGA lui-même li innocent? Parce que nous connaissons dans le pays d'Haïti, un petit proverbe créole qui dit la fumée pas chambre levée sans diffus. Donc, en ce sens, est-ce que Fondation J'éclairé c'est menti ou fait sous monsieur? Est-ce que la Cour des comptes, eh bien, c'est menti ou fait sous monsieur? Mes amis, mais si a parlé clair ensemble avec nous, les que nous utilisons menti pour nous saluer au monde, eh bien, c'est vérité. Cap vini, cap sal nous-mêmes. Donc, en ce sens, l'imade papa bon Dieu, pardonnez yo parce que yo pas kon sa yo ap fè. Adje! De toute façon, kon pays d'Haïti, la justice kon blanchi, sa qui ta supposé coupable, et mette sa qui pas coupable dans prison. Même koné, la nati li même ge pou le fè chemel. Si DGA innocent, la nati kon sa l'ap fè. Si li en tantou, la nati kon sa la fait. Mais nous-mêmes, n'a prêté là, n'a suivre dossier de près. Et ceci n'a continué bousquer, chercher. Bon genre information pour nous porter pour capable comprendre exactement qui est-ce qui coupable, à qui est-ce qui pas coupable. Parce que je ne j'en dis à mesdames, mademoiselles et messieurs, si nous mettons pays d'Haïti, si on met un miroir pour chaque haïtien, passe garder tête yo, mon cher m'a caché d'où, gen moun kap moun garder figure nan glasou, pour ça yo qu'on est au fait dans pays. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, moi, rete croire que gouvernement haïtien lui-même la prend des décisions rapides pour répondre avec ça que soldat dominicain ou vin fait sous territoire, parce que ça pas supposé fait. Et si rivière là, li sépare li entre deux frontières yo, donc, ou ka utilise le, moins ka utilise le, comment pour dim si m prend la dan et mon pap gen de l'eau pour ouze. Moi-même, même ça, moi-même, petit mi sans gado. Donc, en ce sens,
que l'État prend responsabilité, que ressources qui entre frontières, eh bien, yo crée un moyen pour séparer les, pour que nous tous deux capables joindre et pour manger les mêmes capables faites sous territoire pays d'Haïti. N'a fait place à Voix d'Amérique pour ces formations nationales et internationales. Gros nouvelle, mon ami, bienvenue. C'est sous TAC 609 ou connecté n'importe côté où y est. Depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier, abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travailler là, capable d'avancer. Zami Pao Foucault. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélisère, depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. C'est un plaisir, l'autre fois encore, pour nous retrouver, nous, pour nous présenter au programme ça en langue créole haïtien qui c'est. Rendez-vous info, merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Actualité a mené nous d'abord concernant pays d'Haïti. Réaction continue à tomber sous l'aide que plus passé 60 parlementaires américains voyés par le département d'État pour un changement dans la politique des États-Unis vis-à-vis pays d'Haïti. Nous avons réaction, professeur François Pierre-Louis, depuis New York. Je pense que c'est un lettre puissant. Et l'autre lettre là, ouais, tout point, yo, que Congressman Nix, Jeffries, avec toutes les 56 membres du Congrès qui signent une lettre là, ça montre vraiment son lettre qui est très puissant et qui a tout point important qu'a discuté en Haïti, je ne veux dire. Premièrement, question référendum, non. Deuxièmement, question élection. Hein? Impunité qui a en Haïti, je ne veux dire. Vol, kidnapping. Et puis tout, deux bails qui est important dans l'être là encore, c'est le fait qu'ils ont demandé pour que gagnent un bureau retourner avec un monde dans le département d'État pour faire coordination sur le dossier Haïti. Hein. Et puis l'autre bail qui est important tout, c'est le fait que qu'on y a là, ils ont demandé pour que par aucun l'argent gouvernement américain qui dépensait en Haïti, que directement, indirectement. Donc, pense que c'est Logan Mix qui est responsable et affaires étrangères pour l'Ouest de l'hémisphère là. Ou bien Jeffries, Hakim Jeffries qui est deuxième membre dans le Congrès, hein, après Nancy Pelosi. Je pense que ça a un gros effet sur l'administration Biden. Non? Donc, je pense que non seulement sur l'administration Biden, non? Même j'ai l'impression que ça a un plus gros impact en Haïti. Finalement, on y a là. La communauté internationale a obligé de faire bac dans le support de la baille Jovenel. Sans dire peut-être, Dr. François, il semble qu'il y a un monde capable d'interpréter ça comme une victoire pour l'opposition. Hein? Est-ce que c'est une interprétation juste? On doit admettre ça. Ils ne sont pas positifs parce qu'il y a longtemps, le département d'État est en une position officielle qu'il faut gagner l'élection avec Jovenel. Et deuxièmement, tout, ils n'ont pas positif parce que. Et lorsqu'il y a tout le Congrès, ouais, c'est démocratique, il est très influent, qui prend une position comme ça, il est impossible pour le gouvernement Biden, non, mais continuer à faire même boucher sur sa capacité en Haïti. Mais cependant, il y a un crié victoire. Ou pas qu'à crier victoire, laissez par une population qui pousse ces changements. Yo. Oui, c'est derrière l'être là, il y a une population, hein, il y a une diaspora, il y a tout le peuple haïtien qui est volté avec l'air ou sa capacité dans le pays. Hein. Kidnapping, yo, comment y'a tué mon yo, comment y'a volé, pillé qu'est-ce l'État. Et c'est toute opposition, c'est toute mobilisation, ça, qui la cause que je ne j'ai dit à la, congressman yo, qui a avoué l'être là aller. Mais cependant, nous pas qu'à crier victoire, l'est que, pour jusqu'on y a là, nous, ouais, opposition en Haïti, pourquoi gagner en qu'un mot l'abdi, ou bien pourquoi gagner en qu'une négociation sérieuse qu'a fait pour nous connaître qui les jeunes à quitter le pouvoir. Professeur François Pierre-Louis depuis New York te répond question collaborateur nous Serge Rodriguez. L'autre réaction concernant l'être là gain ancien sénateur Yuri La Tortue qui c'est leader AAA Haïti en action, li bat bravo peut-être. Li dit communauté internationale finalement adopté même position avec eux sur question référendum. Pas grand pile secteur international là qui rejoignent nous puisque nous te dit que référendum là li illégal. Li inconstitutionnel et qui n'ont pas de faire. Et pas comme ça pour changer la constitution. Nous parlons ça depuis 2020. Cependant, nous passons international là, il n'y a pas de lecture ça. Je dis à que vous rejoignez nous, que vous dites que eh bien, la question du référendum, son bagage qui n'est pas inclusif, eh bien, son bagage qui va répondre à la loi, moi pense que, eh bien, je dis à nous, ouais, que international là commence à comprendre quoi. Et c'est dans ce sens-là que moi dis que la question du référendum, je ne parle pas de ça. La question du référendum ne se pose même plus. Parce que l'homme, on pense pour venir violer eh bien, la Constitution, le peuple a le droit de se défendre. Et pour que ces élections,
Écoute, la question. Moi-même, je veux dire élection. Mais ce que vous programmez là, c'est sélection. D'ailleurs, le président dit de sa propre bouche, la voix de l'Amérique t'étendait, il dit que, eh bien, quel que soit les gens qui organisent l'élection lui-même, il n'y a pas de problème qu'à prendre la main encore. Ça veut dire que je vous dis, moi, je crois que nous avons toutes les preuves que l'opération qui va être menée, c'est une opération de sélection et non d'élection. Et moi, nous-mêmes, nous ne sommes pas parés pour dans la sélection. Nous-mêmes, nous ne sommes pas parés pour que dans l'élection, avec un président illégal, avec un président illégitime. Nous parions pour dans des élections crédibles, honnêtes et démocratiques, avec un gouvernement neutre, cap assuré que mon guerre, c'est le guerre. Qui est-ce que tu as de fait pour résoudre la crise politique en Haïti? Pourquoi tu as parlé là? On parle de crise politique. Crise politique en Haïti, en tant que sénateur de la République, en tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale. Comment on va résoudre la crise là? Écoute, ça nous proposer. Dès qu'on arrive dans une situation, bon président, que mandat fini, qui était ces crises. Donc, comment vous résoudre? C'est le retour à l'ordre constitutionnel que le président allait, et bien que vous remplacez par un régime qui est le plus près possible de la Constitution. C'est le premier bagage qui va être crise dans le pays. Le président, ça a quitté, comme il n'a pas de légitimité, il a essayé chitakol sous insécurité. Le banditisme d'État. Eh bien, immédiatement, président, finalement, il faut résoudre la question banditisme d'État, puisque c'est l'État qui a financé Gangyo. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, immédiatement que le président allait, eh bien, il faut nous poser les vrais problèmes qui menaient la cause profonde, la question économique, la question sociale. Oui, mais nous, donc, nous disons, Mme Fini, et en plus, c'est peut-être au niveau pouvoir judiciaire, là, estimé que Mme Fini, vraiment. Mais comment on a si M. Jovenel restait au pouvoir jusqu'à 7 février 2022, le sac s'est pas passé. Bon, s'il restait au pouvoir, là pour que non seulement il n'y a pas demandé des comptes à rendre pour toute corps qu'il a dépensé alors que le bagage légalité, mais s'il restait au pouvoir, là pour que la priorité au pouvoir, le pape qu'a vraiment fait rien puisque le peuple n'a pas d'accord avec elle. Donc c'était ancien sénateur Youri La Tortue, un membre dans opposition politique là dans pays d'Haïti qui tape non seulement réagi sous l'aide ça que parlementaire américain voyé par département d'État mais sous crise haïtienne et très naturellement nous comprenons que Saldio engagé lui-même seulement qu'on y a un moment arrivé pour nous rejoindre nous gagner avec nous Jodia mette Guiland Mesadieu, qui sont militants droit monde et qui aujourd'hui a joué rôle président conseil électoral provisoire. Maître Mesadieu, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on a accueilli sur la Voix de l'Amérique. Bonsoir, monsieur Bélizer. Moi-même, tout c'est avec un pile plaisir que moi réponds à l'invitation. Ça, moi salue auditeur, auditrice, captain des émissions ça après-midi. Hein. Et moi, quoi, toute équipe qui est ensemble avec lui, moi salue. Et c'est un plaisir pour me répondre à la question après-midi. Ça. Et Maître Mesadieu, nous avons commencé avec un droit de réponse que nous avons offert. Parce que hier, dans le programme, ça a gagné Maître André Michel qui fait accusation sur vous et sur tout l'autre membre dans le conseil électoral là, qui dit que tous les 9 membres sont membres PHTK. Qui réaction? Bon, moi-même, moi t'en bien, mais moi salue Maître André Michel, moi salue Courage. Moi connais depuis tout temps, chaque monde dans la société a toujours gagné un bord qui est au campé. Nous capables de comprendre Maître André Michel tout. Bon, il peut pas me dire, il a mes adieux dans le secteur démocratique là. S'il voulait, c'est PHTK aujourd'hui, il considérait comme un jouement pour le chaque citoyen, citoyenne qui voulait servir le pays. C'est droit plus entier. Mais Maître André Michel, par contre, dit des choses qui sont différentes que ça le dit là. Moi-même, pas étonné, je n'ai pas même envie de répondre. Parce que tout ça, le qu'on dit déjà, il y a des gens qui sont contents de yo, et yo pas jamais fait long fait. À chaque fois, il fait tout annonce, il dit tout ça, il veut. Mais seul ça, je suis capable de dire, Guiland mes adieux, pas PHTK. Et je crois que, mettant de Michel, Jean-Web Bouchli, ouvre pour le dire PHTK, il est sûr et certain. Peut-être qu'il a dit ça pour démoraliser le monde, pour déstabiliser le monde. Mais je suis capable de dire, André Michel, PHTK, qui est Guiland mes adieux. Et mettre mes adieux, on nous connaît entrer dans une question qui est
technique. Et moi entendez au fond déclaration sur la radio dans capitale là que nous à 80% et paré pour référendum 27 juin. Nous connaissons que nous sommes recevoir une liste référendaire qui gagne 4 500 000 monde là-dedans, 500 000 inscrits. Et dis-nous, est-ce qu'on a confirmé qu'à 80% nous paré pour référendum 27 juin? Justement, moi-même à 80%, moi paré pour référendum. De toute façon, depuis que nous arrivons dans le CEP, nous te mettons nous au travail et nous continuons de travailler jusqu'à date pour permettre que nous-mêmes nous arrivions à atteindre l'objectif, qui c'est organiser l'élection. Mais dans le passage où nous organisons l'élection, nous avons un référendum. Toute activité n'a pas fait qui est liée avec l'élection, c'est même si tu sais que nous prenons utiliser pour le référendum. C'est ça qui fait que nous-mêmes nous sommes capables de dire, je dis, nous prêts. Parce que nous déjà mettons en place des outils qui sont plus importants, des outils qui sont plus nécessaires pour permettre le référendum de réaliser. Actuellement, là, nous avons 80% dans l'évaluation centre de vote. Nous, ça veut dire que dès que nous arrivons à préparer l'élection, centre de vote est disponible. D'ailleurs, nous avons déjà commandé bulletin. Le premier cargaison matériel non sensible a privé juin nous 15 mai. Et deuxième cargaison matériel non sensible a privé dans le pays à 20 mai. Ça veut dire nous-mêmes, tout ça qui dépend de nous, nous prêts et nous déjà disponibles. Et mes adieux, 80% paré, donc pratiquement c'est complété ou complété processus là pour paré à 100%. Est-ce que vous contrôlez le centre de vote qui est dans Grand Ravine, Village de Dieu et dans l'autre zone non doyo? Bon, non, nous pas contrôler le centre de vote qui est dans Grand Ravine, Village de Dieu. Mais ça qui gagne, c'est que en Haïti, nous habituons avec des phénomènes pareils. Nous songeons dans l'élection pour le président Préval de gagner un centre de vote qui était connu dans la Cité Soleil. Par rapport à un problème de sécurité à Téhé dans la Cité Soleil, ils ont été obligés de déplacer le centre. Ils ont été venus mettre dans Delma 3, dans nouveau building qui est dans Delma 3. Et ils ont un méga centre de vote là, pour qu'ils aient un pile de monde qui sortit dans la Cité Soleil et viennent voter. Nous pensons que ce n'est pas puis bonne solution à déplacer moun yo, mais une stratégie que nous mettons en place, c'est zone qui au jaune, zone qui vert, que nous mettons de méga centres de vote pour faciliter que moun qui voulait venir remplir des voies civiques, pour les capables de rentrer dans le centre de pour voter libre sans inquiétude, parce que nous connaissons tout, que ce n'est pas seulement parce que zone yo de nos droits. Il y a un pile de menaces qui ont fait tout pour bouler centre, pour bouler X, pour bouler Y. Mais nous-mêmes, tout ça qui dépend de nous, nous mettons à jour pour 27 juin, pour ce n'est pas nous qui pas parler. Et, mes adieux, il y a un monde qui, par exemple, saute dans l'autre planète, la Lune, par exemple, et puis l'étendue de tout le bagage, il dit ben, tout le ok. Et ça fait de phénomènes insécurité, kidnapping. Ou bien l'impression que le phénomène n'a pas dans l'étude du tout. Bon, ça vous saisit bien dans samedi. Moi-même, je dis que tout ça dépend de nous. Parce que question insécurité, kidnapping, tout l'autre accord politique et autres, ça n'a pas entré dans la prérogative. Nous-mêmes, société à lui-même, il doit exiger plus pour permettre que les mêmes régions ont un environnement qui est approprié pour fonctionner. Mais moi-même qui ai un mandat, qui ai un objectif à poursuivre, qui c'est organiser le référendum, moi parler par rapport à ça que j'ai pour me faire, et qui c'est ça moi-même, moi faire. Ça veut dire toute l'autre tâche qui n'est pas liée à moi, qui c'est prérogative du gouvernement, que eux-mêmes, ils prennent responsabilité. Parce que dans tout le monde, l'élection, ce n'est pas la fête du conseil électoral seulement. Le conseil électoral est pour lui faire planification technique et logistique. Mais question sécurité, c'est affaire d'État. Et mettre mes adieux, nous abandonnons notre éclaircissement sur question liste référendaire là où se voit déjà. D'après ça, on y fait sauter, il faut sauter une note qui dit que yo remettre nous 4 500 000 inscrits. Est-ce que ça veut dire jodi a si on moun a l'inscrit dans ONI, il pas capable participer dans le référendum? Bon,
Normalement, nous pas dit ça totalement. Mais pour nous fermer, pour nous faire l'islam, parce que ONI lui-même li enregistré citoyen citoyenne. Nous-mêmes dans niveau conseil électoral, on a enregistré électeur électrice. Ça veut dire pour nous faire travail ça parce que nous avons un serveur qui recevoir données chaque donnée ONI enregistrée simultanément. Si nous pas faire mes registrants, il pral mettre nous dans difficulté pour nous-mêmes nous préparer liste votant yo liste moun ki pral gen pour voter yo. C'est dans sens ça que nous-mêmes nous fermer l'islam. Mais tout moun ki te gen pour al faire 4 de continuer à faire 4. Ça pa vle dire que registrant fermé à 4.5 million moun ki capable voter, ça pa vle dire que c'est fermé définitivement, pas gen l'autre possibilité pour yo voter. Nous-mêmes nous te bay rendez-vous 27 que n'a fermé l'islam. Oui, nous devons fermer l'islam parce que l'issa lui-même li doit être disponible yon mois avant référendum nan. Et madame Jadieu, m'pa kwè zyo fermé sous plusieurs réactions gagnées, réactions qui dit processus la pas inclusif assez et gen moun ki gen réserve et constitutionnel par rapport à référendum nan, gen moun ki dit que ki jan fè pour conseil électoral après le prendre de grandes décisions comme ça alors que conseil yo pas passé devant et cour de cassation pas prêté serment alors que pral participer dans élection des monde qui obligé à le prêter serment. Qui Jean ou réagit par rapport à toutes et considérations ça yo? Bon, moi même moi dans République là, moi entendez, moi ouais, moi connais et moi comprendre. Mais ça pour tout le monde connaît que question référendum non, c'est pas l'affaire du CEP. Nous mêmes comme institution électorale qui là pour organiser tout ça qui lié à consultation populaire, tant qu'une élection, tant qu'un référendum, nous gain ça dans tâche nous pour nous organiser vote là, scrutin. Mais question sécurité, question inclusion, tout ça yo voulez mettre pour vote là inclusif ou pas, ça yo c'est pas affaire conseil électoral là lié. Normalement, ça qui est pour avec question nous prêter serment, nous pas prêter serment. Nous même dans conseil électoral là, nous joignons légitimité nous dans l'article 289 Constitution 1987 là, qui clairement définit qui gens pour on nommer pour venir en dans conseil électoral provisoire. Ça pour nous rappeler, pas de conseil électoral. Nous te doué gagner un grain conseil électoral provisoire. Ça veut dire tout l'autre yo, c'était toujours de formalité que yo essayer forger pour permettre que yo fait élection parce que moun ki te a dirigé ni ça te là avant ni ça retourner yo pas de jambe moins possibilité pour te gagner un conseil électoral permanent. C'est juste pour yo ta quitté brèche, pour yo quitté trou vide, pour yo joindre, pour yo faire chantage là yo vle. Moi même moins clair que nous pour prêter serment mais n'attendre pour nous prêter serment parce que nous même la cour de cassation t'est invité nous vin prend prestation de serment là nous rivé nous fait journée hein, yo voyé nous aller à 2h yo moins grand procès verbal là même qui dit que y a yo ajourné prestation de serment y a bien pour réinviter nous encore et moi même moi comprendre qui côté dans l'histoire pays d'Haïti c'est prestation de serment qui rend ou légal parce que constitution a tracé prestation de serment c'est yon nan acte que tout conseil électoral provisoire yo suive mais c'est pas prestation serment qui rend nous légal c'est moun ki nomo lan est-ce que il y a autorité de nomination et vous président de la république lan Jean constitution 1987 en fait te mandé pour consulter différents secteurs pour permettre que secteur yo désigner moun qui un groupe dans secteur yo qui était déjà dans conseil là qui a peine démissionné yo peut-être senti yo gêné pour yo te retourner encore. Mais tout te recevoir, toute invitation, yo te consulté yo, et yo même yo te dit yo pas venir. Mais ça pas ka empêcher, ça pas ka retirer droit l'autre secteur, l'autre acteur qui pensait que yo même yo capable contribuer. Mette Guilande, mes adieux, me sentim ta rete avant toujours, mais malheureusement, le FM la guerre. C'est ton plaisir pour nous te accueillir sous la voix de la Mecque et me souhaiter que avant 27 juin que n'a parlé encore. Merci en pile, monsieur Bélizère. Moi, remercie la Voix de l'Amérique et moi, toujours disponible pour me répondre différentes questions qui liées
à processus que nous même au niveau conseil électoral là n'a mené qui c'est référendum constitutionnel pour arriver dans l'élection. Merci beaucoup. Merci madame Mette Mésadieu qui c'est présidente conseil électoral provisoire qui t'a accepté aujourd'hui à répondre question nous sous la voix de l'Amérique dans rendez-vous info. Et merci d'être que vous toujours branché dans moment ça. Konya nous pral en province puis précisément dans département Nord-Est côté plusieurs écoles dans région recevoir support dans mes ONG qui est les plans Haïti dans cadre d'un projet qui relait Haïti Gagne lire écrire et réussir. Yon reportage Jodla Junior Saint-Ville. Représentant 26 l'école qui dans département Nord-Est là, jeudi 22 avril 2021, recevoir un chèque 50 000 goud yo chaque pour réaliser selon besoin yo quelques petits projets dans l'école yo. Initiative ça a rentré dans cadre d'un projet plan international Haïti qui porte nom Haïti gagne lire écrire et réussir qui joint financement UNICEF ak USAID depuis environ 3 l'année. Monsieur Lenès Axilien qui a coordonné projet ça pour plan international Haïti pendant intervention dans une formation tout coûte pour montrer bénéficiaires yo qui jan pou yo gérer l'agence ça abdi nous plus. C'est une initiative que n'a réalisé je crois ça fait troisième fois pour que n'a supporté une priorité que l'école yo même yo fixé et projet a aidé yo réaliser priorité ça. Donc nous comptons avec toute délégation, au nom de 26 écoles qui présentent, qui peuvent recevoir en subvention de 50 000 comme support pour réaliser toute activité que nous avons identifiée comme priorité de l'école. Il va permettre que nous votions en amélioration de façon timonorable, qui est capable de réhabilitation sans classe. Bon côté Pal, directeur l'école nationale de Dubisson, qui dans la commune Trou du Nord, Navarre et Rhodes, yon a bénéficié, pas de cacher satisfaction dans micro La Voix de l'Amérique. L'année dernière, tu as un petit projet, micro de 25 000 euros pendant l'école PAMNA. Ce projet ça te permet de commencer et d'aller à l'école là, qui est dans une situation vraiment difficile. Et année ça encore, nous bénéficions en deuxième petit projet de 50 000. Gagnons un impact positif si vous arrivez à l'école à partir de 25 000 que vous devez recevoir. Mon cher, après, c'est une grande différence. Jodley Junior Saint-Ville, La Voix de l'Amérique, Fort Liberté. N'a pas très ici aux États-Unis, yon nan trois membres mission Apollo 11 qui était débarqué sous la lune, ça gagne 52 ans environ 20 juillet 1969. Michael Collins li mouri jeudi mercredi 28 avril 2021. Donc n'a avant nous parler de ça, nous allons rejoindre Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe les États-Unis ben même le monde attend le discours président Joe Biden pour le faire devant deux chambres réunies à soir pour la première fois. Effectivement, et président Biden peut-être pas un président américain qui a plus d'expérience dans ça pour les présidents dans le Congrès avec 47 ans après 47 ans que le passé en dedans le Congrès et président Biden a marqué sur tout la gain deux filles qui s'adèrent, n'a pas eu de vice-président Kamala Harris avec le président chambre des représentants Nancy Pelosi. Président Joe Biden a marqué 100 premiers jours depuis la dirigé États-Unis avec un message l'a metté devant deux chambres Congrès réunies. Un aspect sans premier jour ça yo c'est changement dans relation important États-Unis avec alliés européens yo. He wants to work in concert with America's allies and partners. Steven Jamouri, directeur US and America's program dans Chatham House, parlait pour dire président Biden voulait travailler dans tête ensemble avec alliés avec partenaires États-Unis yo, surtout dans pays européens yo. Moi crois c'est un bagage qui absolument important. Président Biden n'a pas perdu de temps pour lui retourner aux États-Unis dans l'institution multilatérale et puis tracer une ligne de démarcation de façon positive sur l'engagement États-Unis prend pour le changement climatique là avec soins santé. États-Unis réintégrer l'Organisation mondiale de la santé avec l'accord Paris sur le climat. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken visite Bruxelles en deux occasions pour souligner le support des États-Unis pour l'OTAN avec l'Union Europe là. L'administration a participé dans une rencontre avec objectif pour remettre sous pied l'accord nucléaire Iran 2015 là que l'Europe considère appuyer un triomphe pour la diplomatie. Ancienne administration Trump-Lan a retiré les États-Unis dans l'accord que le considérait un pile faille.
président Biden a adopté tout une nouvelle approche avec rival États-Unis. Il décrit président russe Vladimir Poutine comme un assassin. Ensuite, il a imposé deux rounds de sanctions contre Moscou. The new sanctions were kind of more serious than the sanctions. Pavel Sharikov, Russian Institute for U.S. and Canadian Studies, parlait pour dire nouveaux sanctions ont été plus sérieux que sanctions ancien président Donald Trump a imposé contre la Russie. La Russie était fâchée. L'administration russe là dit qu'il ne comprend pas ce qui a passé là. Pendant ce temps, la Russie déployait plus de 100 000 soldats russes aux frontières ukrainiennes que l'observateur considère comme un test pour le président Biden. Knows that inevitably, Russia in particular, China and others will test a new president with a crisis. Larissa Bateau, qui a passé dans l'University of Virginia Center for Politics, déclaré président connaît la Russie, en particulier la Chine, avec l'autre pays, pour aller tester nouveau président avec une crise ou bien une confrontation que le président Slan a déjà anticipé. Mon coeur Joe Biden a décidé d'anticiper et l'y prend devant avant l'autre pouvoir. Il voit un message bio pour faire connaître un nouveau leader dans Washington. Dans ville Moscou, Russie, qui parle avec la Voix de l'Amérique, déclare que les relations États-Unis détériorées sous président Biden. Le président russe, qui est le Yuri, déclare moins par un mêlé, semble agressif avec la Russie. Natacha, qui est l'autre résident russe, dans Moscou, parle pour dire moins connaît que le pas trop positif avec la Russie. C'est celle ça moins capable de déclarer. Pour ça qui a un rapport avec la Chine, l'administration Biden a accusé Pékin qui a mené une série de actes génocides contre la population ougoula dans la province Xinjiang. Accusation la Chine voulait jeter. Selon sa présidente Joe Biden reconnaît la Turquie a assassiné environ 1 million d'Arméniens pendant la Première Guerre mondiale là, et l'a qualifié assassinat ça comme un génocide. Consequential decision, it won't make it easy. Either with Turkey when it comes Les to the Jamouri, US and America's program director dans Chatham House ajouté pour dire ces décisions qui ont conséquences différentes. Il n'est pas facile pour la Turquie avec citoyens arméniens ou bien la Chine avec population province Xinjiang pour continuer le genre de coopération qui est nécessaire entre eux. C'est extrêmement important, pas seulement pour le monde là, mais pour l'administration Biden. Situation compliquée. Moi, quoi, c'est une situation nous devons continuer à fournir et garder pour jusqu'à ce qu'il camper. Pour qu'on y ait là, l'analyste dit que le président Biden est toujours dans une ligne de miel politique avec les alliés européens et États-Unis. Merci Jean-Aubert Philippe. Ici aux États-Unis, astronaute Michael Collins mourit. Lionel Demarat. Astronaute américain Michael Collins, qui était piloté module lunaire pendant deux collègues li, Neil Armstrong avec Edwin Buzz Aldrin, te descend sous la Lune dans un appareil Apollo 11 là, dans la journée historique 20 juillet 1969 là, mourit mercredi 28 avril 2021, d'après sa famille dit Agence Nouvelle à Société de Presse. Li te gagné 90 ans. Monsieur Collins te fait partie trio astronaute Apollo 11 là, qui te réalisé avec succès. Mission la NASA te gagné pour le faire un Américain atterri sous surface la Lune. Non. Depuis ça, verbe à l'union existait. Et succès ça te mette fin dans la concurrence qui te existait entre les États-Unis avec la Russie dans ce qui passe dans l'histoire sous nom la course vers l'espace. Comme ça, Neil Armstrong, Edwin Aldrin avec Michael Collins qui décédé jeudi, t'es réalisé promesse et même défi président John Kennedy t'es metté devant les États-Unis dans discours t'es fait sous États-Unis en janvier 1961 côté t'es dit les États-Unis t'es gain pour faire un homme débarquer sur la lune avant fin année 60 yo. Effectivement quelques mois seulement avant décade là avant décennie t'es prend fin promesse là t'es réalisé les États-Unis t'es levé défi là. Même si Michael Collins a voyagé son distance plus passé 300 000 km pour te entrer dans l'orbite la Lune, non? Et puis arriver son distance 130 km seulement avec satellite la Tessa, monsieur pas de jambes pile surface la Lune, non? J'en deux collègues li ont fait ça eux-mêmes. Neil Armstrong, commandant mission, est mort en 2012. Ça qui fait, parmi trois astronautes, c'est Edwin Aldrin qui vivant toujours. Après mission Apollo 11 là, aucun n'a pas participé dans une mission dans l'espace.
Merci parce qu'on t'a suivi avec attention et merci pour fidélité ou ak patience. Moi remé ou pile et wap toujours sou kem. Bonjour bonsoir tout le monde, moi pralé. M'a kito nan bra papa bon Dieu parce que c'est lui-même celle qui capable protéger ou ba ou la vie ak la santé. Non pas m'se fou qu'on a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir, à la prochaine. M'ramasse paquet moi cause habitant pa misé la ville. M'pralé. Mais m'a kito nan bra papa bon Dieu parce que c'est lui même celle qui capable protéger ou ba ou la vie ak la santé. Bonjour bonsoir tout le monde, n'ap croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.